Aujourd'hui, je vous lance un nouveau défi. Donc, si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, je vous lance un nouveau défi, mais on va y revenir dans quelques instants. Je voulais juste, avant, refaire référence à la dernière vidéo où je vous faisais un appel, où je vous proposais des créneaux en semaine au mois de mai pour venir à ma rencontre et faire une sortie photo avec moi. Donc, j'ai eu, sur trois créneaux, j'ai eu des propositions sur le premier créneau, sur le deuxième créneau, mais le créneau du milieu qui est globalement pour une localisation entre Avignon et Lyon, j'ai pas eu encore de sollicitations, de réponses de gens qui sont intéressés, donc il n'est jamais trop tard, ça fait jamais qu'une semaine que j'ai passé l'annonce, mais bon, vous savez, après, je vais pas relancer 200 fois, donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous engage vraiment à aller regarder, voir si vous êtes intéressé ou pas, je vous la remets ici dans le petit i. Voilà, c'est encore un nouveau appel, j'en ferai peut-être encore un ou deux, mais je vais pas non plus insister, parce qu'après, je veux m'organiser rapidement, en tous les cas, avec les gens qui auront participé. Donc voilà, à vous de voir maintenant si vous êtes intéressé. Je ferme là cette parenthèse et je reviens donc au nouveau défi. Donc c'est un défi que j'avais prévu d'ailleurs de faire moi-même ce matin. Mais il n'y avait pas les conditions climatiques que je recherchais. Ce défi c'est quoi? Ben ça va être tout simple. En cette période, ça va être de sortir faire une photo matinale par idéalement par temps de brume. À vous de voir. L'idée, voilà, c'est essayer de retranscrire encore cette ambiance un petit peu morose, mais qui peut être intéressante, suivant la lumière, suivant qu'il y a du brouillard, suivant qu'il y a du givre, ce genre de choses. Un paysage, pas forcément besoin d'aller très loin autour de chez vous, et d'essayer de voir ce que vous pouvez faire. Je vous dis, moi j'avais prévu de faire ça ce matin, j'avais regardé la météo, je pense qu'ils annonçaient les conditions, et puis ce matin, quand j'ai ouvert mes volets, non, c'était pas du tout ça, donc ça valait pas le coup. Je m'interdis pas encore, dans les semaines à venir, d'essayer d'aller le faire moi-même, parce que ça fait un moment que je surveille la météo, c'est jamais tombé au bon moment. Donc, ben voilà, mais moi, en tous les cas, je vous lance le défi pour que vous participiez, que cela vous donne envie, justement, de relever ce défi et de sortir le matin de bonne heure. Ben oui, il faut pas toujours rester dans son lit pour essayer d'aller faire ce type de photo. Bien évidemment, comme d'habitude, pour toutes les photos que je recevrai, que vous m'aurez envoyées, ben on fera une restitution. Je sais pas si je les commenterai, ou en tous les cas, je mettrai en avant votre travail, comme on fait d'habitude, sans prise de tête. Alors ce que je veux dire quand même tout de suite, une petite parenthèse, l'idée c'est de vous lancer un défi, de vous inciter à sortir pour aller faire des photos, comme moi. C'est pas d'aller dépoussiérer dans vos archives la photo que vous aviez fait l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. L'idée c'est vraiment faire une photo nouvelle, donc s'il vous plaît, jouez le jeu, sortez et faites une nouvelle photo, on s'en fout si c'est pas la meilleure photo du monde. L'idée, voilà, c'est vraiment, tu vois, passion, partage, plaisir, c'est de vous inciter à sortir. Comme moi, j'essaye aussi de me booster pour sortir, et le fait de se lancer ce genre de petit défi, bah, ma foi, ça me motive, peut-être que vous, ça vous motivera aussi, en tous les cas, c'est le but. Donc voilà, vous voyez une petite vidéo assez courte. Au niveau du délai, vous avez jusqu'au vendredi 11 février pour m'envoyer votre photo. Alors je veux juste un JPEG, hein, bonne qualité, tout ce qui va comme d'habitude, m'en envoyez pas 15 non plus, j'en veux qu'un seul par personne, le meilleur, voilà, et puis ben, on les passera en revue, si j'en ai pas trop, je passerai peut-être un peu plus de temps que si j'en ai beaucoup, voilà, charge à vous, à voir. Mais vraiment, j'insiste, hein, je reviens, allez faire de nouvelles photos, ne dépoussiérez pas les photos que vous avez fait antérieures, avant, voilà. Donc c'est vraiment l'objectif de vous faire sortir. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas inciter plus que ça. Pensez à aller regarder la vidéo précédente, donc de mardi dernier, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, pour voir si vous êtes concernés, notamment si vous êtes dans la partie sud-est de la France. Voilà, si vous voulez venir à ma rencontre, ça sera l'occasion. On en créera sûrement d'autres plus tard, mais en attendant, pour l'instant, c'est celle-ci que je vous propose. Et moi, il faut que je m'organise, donc j'ai besoin d'avoir vos retours le plus rapidement possible, et puis après, on verra. Mais déjà, je remercie à ceux qui se sont déjà manifestés, puis on va voir, je leur répondrai, j'attends d'avoir des réponses un peu plus exhaustives pour aller plus loin et formaliser vraiment mon planning, ce genre de choses, quoi. Voilà, merci d'avoir suivi, alors comme d'habitude, voilà, pour vous abonner, le petit pouce bleu, tout ce truc-là, vous êtes habitués, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou à évoquer tout autre sujet, on essaiera de répondre ensemble, c'est fait pour ça. Voilà, merci de m'avoir suivi,
Au revoir.